Salut Thomas Salut Pablo Merci d'avoir accepté mon invitation. Thomas, tu es euh, député de la France Insoumise NUPES. Je ne sais pas si on dit encore la France Insoumise NUPES. Si, que... si, on dit encore la France Insoumise NUPES. Très bien. Euh, de Seine-Saint-Denis. Euh, si je t'ai invité, c'est parce que voilà, le moment politique est assez euh, compliqué euh, en ce moment, euh, notamment avec le passage de la loi euh, immigration, hein, la loi Darmanin, qui a été euh, votée. Enfin, qui a été adopté en tout cas à l'Assemblée nationale et au, et au Sénat et qui doit être promulgué théoriquement dans les, dans les deux prochaines semaines. Euh, comment est-ce que, avant de rentrer un peu sur le fond, mais comment est-ce que toi tu, tu qualifies le moment qu'on est en train de vivre Est-ce que la société française est en train de devenir purement et simplement raciste et xénophobe Je crois qu'il y a une différence entre la société française et ce qui s'est joué dans l'hémicycle ces derniers jours. Ça a acté la lepénisation de la Macronie, quelque part, puisqu'en moins de 96 heures, dans le week-end avant la CMP, ils se sont couchés sur toutes les demandes des Républicains, qui étaient déjà un copier-coller des idées du Rassemblement National. Et c'est vrai que quand on a une loi qui est votée, qui remet en cause des principes, quand même, qui font l'histoire de notre pays, le droit du sol, pour que les gens comprennent, c'est-à-dire que l'acquisition de la nationalité ne sera plus automatique. Il faudra faire une demande, donc elle pourra être refusée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand on s'attaque à la question des aides sociales, notamment des allocations, qui seront différenciées si vous êtes étranger en situation régulière. Parce que contrairement à ce qui a été véhiculé, on parle de gens qui sont en situation régulière sur le territoire national. Donc il y a tout un certain nombre de, de propositions qui ont été reprises dans cette loi, qui sont issues non pas du programme de Marine Le Pen, mais qui étaient déjà dans celui de Jean-Marie Le Pen en 1983. Ça en dit long sur l'extrême droitisation de la vie politique française. Et du fait qu'entre la Macronie, LR et le Rassemblement national, il n'y a pas tant de différences que ça. Et ils ont voté unanimement un texte qui est un texte, oui, raciste et xénophobe, mais qui est au-delà de l'aspect politique. Moi, j'ai d'abord une pensée pour celles et ceux qui vont subir dans leur chair cette loi, parce qu'elle aura des conséquences sur la vie des gens, des conséquences concrètes, et elle va encore une fois s'attaquer à des gens qui sont dans une extrême fragilité. Si euh, on acte que euh, voilà à partir de euh, Renaissance et euh, après euh, sur la droite de Renaissance euh, bon bah c'est que des fachos c'est que l'extrême droite euh, est-ce que ça, ça pose pas un problème en fait de, de vivre ensemble parce que derrière il y a aussi euh, des blocs euh, de, de, de population des blocs du peuple en fait qui votent pour euh, Emmanuel Macron pour son projet et qui votent pour les LR pour leur projet et qui votent pour l'extrême droite et pour leur, pour leur projet comment est-ce qu'on fait pour Essayer de penser un projet pour, lorsqu'on est de gauche, pour pouvoir vivre ensemble, vivre avec ces gens. Tu as raison, parce que ça pose la question de la division de la société. Aujourd'hui, on est une société où les tensions sont exacerbées, où il y a un niveau de violence, pas forcément dans les actes, mais on sent une tension dans la société, c'est indéniable. Et en portant ce type de projet de loi dans l'hémicycle, ça fait un an et demi que Gérald Darmanin nous bassine avec son projet de loi qui fait le tour des plateaux télé. Euh, matin, midi et soir, on parle des questions migratoires, mais on n'en parle pas sous l'angle euh, comment mieux accueillir ou comment faire en sorte que les questions migratoires qui vont être demain euh, une chose essentielle dans le monde, puisqu'il va y en avoir, soient réglées de la meilleure manière. On fait le lien en parlant d'insécurité, en parlant de délinquance, y compris j'ai entendu moi parler de terrorisme euh, pendant euh, la commission des lois. Donc nous, la réponse qu'on doit apporter à gauche, c'est euh, d'abord de démonter un à un les arguments qui sont euh, euh, émis. Quand on parle d'immigration, où on a parlé de grands remplacements, on a parlé de fin de la civilisation occidentale. Tout ça n'est pas vrai. Les chiffres sont très clairs. Il n'y a pas de vague migratoire en France, il n'y a pas de submersion migratoire. Après, comment on répond à la tension de la société et à la division qu'essaye d'opérer la droite et l'extrême droite pour des calculs politiques, c'est de porter un projet de société qui rassemble. C'est pour ça que moi j'ai pris une position sur cette loi, évidemment pour la dénoncer parce qu'elle a des conséquences sur la vie des gens, mais il faut bien expliquer à celles et ceux qui sont dans le pays, que s'attaquer aux droits des plus fragiles, ça ne va pas faire améliorer les droits des autres. Euh, les, les droits euh, des migrants et les politiques migratoires, c'est toujours le laboratoire du pire. Et ce qui est fait aujourd'hui à ces gens-là, ce sera fait demain euh, aux autres citoyens de ce pays. Et juste un exemple, quand j'entends la droite, l'extrême droite, y compris une partie de la Macronie, dire sur la question de l'aide médicale d'État, qui en vérité représente très peu dans les dépenses du budget d'État, dire « nos concitoyens n'ont pas accès aux soins » n'arrive pas à se soigner. Le service public hospitalier est en difficulté. En quoi supprimer l'aide médicale d'État demain va faire en sorte que moi, par exemple, les habitants de ma circonscription en Seine-Saint-Denis aient accès à plus de médecins À quoi ça va faire en sorte qu'ils aient mieux accès à l'hôpital public Ça va changer quoi pour le fait qu'ils n'arrivent pas à se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens Rien. Donc c'est une politique de division. Et nous, le projet politique qu'on doit porter, c'est un projet qui rassemble sur un projet commun de solidarité, de vivre ensemble et de perspectives positives. Pour dire qu'on peut faire différemment, je crois que la seule alternative aujourd'hui. Euh, à la Macronie et à la pénalisation des idées, euh, c'est euh, la nouvelle union populaire écologique et sociale. On l'a portée pendant la présidentielle et législative, et je crois que c'est le sens du courrier d'Emmanuel Bompard, il faut que la gauche se ressaisisse et continue d'avancer sur un programme commun. On va parler de la gauche, mais d'abord un point sur ces sondages et cet état de l'opinion sur la question migratoire. En vérité, ça fait des années, voire des dizaines d'années, que j'ai regardé les sondages, et quand tu prends, je sais pas, dans les années 90, par exemple, tu poses la question, est-ce qu'il y a trop d'immigrants en France Et tu avais déjà, c'est en 94... Euh, près de trois quarts des Français qui disaient oui, il y a trop d'émigrés en France. Ce chiffre, bon, il varie un peu. Il est toujours au-delà de la majorité aujourd'hui. Il y a un sondage Ifop au début du mois de novembre qui disait que c'était euh, deux tiers des Français qui estimaient qu'il y avait trop d'émigrés en France. Mais le constat, c'est aussi que la gauche, qui porte théoriquement un, un message d'ouverture, un message de dire bon bah, il faut qu'on accueille mieux les migrants sur notre territoire. Euh, la gauche n'arrive pas, en fait, à contrer le récit de la droite et de l'extrême droite sur l'immigration. C'est quoi le problème En fait, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à leur faire comprendre, à faire comprendre aux gens, euh, un, la réalité des chiffres, comme le rappelle sans arrêt, par exemple, un type comme François Héran, ou même François Gémen, hein, ils essaient d'expliquer, en fait, ce que sont la réalité de ces flux migratoires, et deux, que... En fait, c'est un enrichissement, en fait, que d'avoir des gens qui peuvent, qui peuvent venir sur notre pays. Et la philosophie globale de la République française, c'est de pouvoir accueillir comment ça se fait qu'on n'y arrive pas. Et est-ce que, en fait, au bout d'un moment, on se dit pas bon peut-être que genre on a, y a un problème dans notre stratégie quoi genre dans notre dans la façon dont, dont on s'exprime dans la façon dont on apporte dont on porte nos arguments je sais pas là tout à l'heure tu m'as dit ça fait un an et demi que euh, Gérald Darmanin il va sur les plateaux euh, pour expliquer que sa loi immigration c'est fantastique et que il y a un lien entre immigration et délinquance je sais pas quoi ouais mais ça fait aussi un an et demi euh, que Thomas Porte aussi il va sur les plateaux et que les Insoumis et que la gauche et que moi on y va Bon, ben en fait, là, le résultat, c'est qu'on a foiré. quoi. Surtout quand tu vois les sondages qui disent tous, ouais, elle est super cette loi. Enfin, les Français disent, ouais, elle est super cette loi. D'abord, on ne fait pas de politique en fonction des sondages. Ça, c'est la mmh. première chose que, que je veux dire. Euh, Ce n'est pas parce qu'un euh, sondage dit qu'il faut rétablir la peine de mort euh, qu'on va se mobiliser pour qu'elle soit rétablie. Ensuite, euh, évidemment, on parle de ça depuis un an et demi, et y compris moi, j'ai été invité plusieurs fois sur des plateaux télé. Mais quand on est invité sur des plateaux télé pour parler des questions migratoires, on n'évoque jamais les questions de l'accueil. Jamais j'ai fait une émission de télé pour dire comment il faut accueillir. Jamais j'ai fait une émission de télé où c'était en quoi le fait d'avoir euh, des migrants qui arrivent, qu'on les régularise, ça permet de faire en sorte que les salaires augmentent, que l'ensemble des travailleurs de ce pays aient des meilleures conditions de travail. Jamais eu de plateau télé pour dire mais quand on part de chez soi, l'exil c'est toujours euh, un drame, c'est un exil forcé et c'est une double souffrance parce que déjà on est parti et l'accueil est souvent indigne. Et la, la question des migrations... Elle se lie à l'échelle mondiale avec les questions climatiques, avec les questions du capitalisme. Enfin, moi, je veux bien euh, une chaîne comme CNews qui théorise à longueur de journée qu'il y a trop d'immigrés en France, que ces gens sont un danger pour la société, qu'on peut plus se déplacer, qu'il faut les, les dégager et les renvoyer dans leur pays, y compris certains disent qu'il faut les laisser mourir en Méditerranée, parce qu'on l'a déjà entendu. Il faut quand même expliquer que le patron de la chaîne CNews, Vincent Bolloré, est un euh, des milliardaires français qui va piller des pays africains, qui a des entreprises qui pillent les ressources naturelles, qui exploitent les travailleurs, qui détruisent les pays. Et donc, ils forcent à la migration ces gens-là. Donc, il faut aussi parler des causes migratoires. Mais c'est une bataille culturelle et la difficulté qu'on a, et là je te l'accorde, c'est qu'on est face à un rouleau compresseur euh, médiatique qui organise le débat autour du thème migration, danger, insécurité. Tu parles des sondages, moi j'ai regardé euh, le sondage de IFOP du 1er décembre qui parle des, des priorités des thèmes des Français. La question migratoire, je crois qu'elle est en 9e ou 10e. Et il y a la sécurité et la question de la délinquance qui sont 3e et 6e. On a eu des débats sur les plateaux parce qu'ils nous disent, mais euh, oui, ok, euh, migration c'est dixième, mais il y a il y a la sécurité, mais parce que pour nous, et c'est ça qu'on doit imposer dans le débat, la question migratoire, ce n'est pas une question de sécurité. Ce n'est pas une question de délinquance. Regardez le projet de loi. Moi j'invite les gens qui ont suivi un peu les débats à aller lire le projet de loi de Gérald Darmanin. Dedans, on parle de quoi On ne parle pas des questions d'accueil. On ne parle pas des questions migratoires. On ne parle pas de comment accueillir ces gens. On ne parle pas de comment faire en sorte qu'ils soient mieux dans leur pays, qu'ils ne soient pas forcés à l'exil. Parce qu'il y a aussi une réalité, c'est que la majorité des migrations elle est subie et celles et ceux qui en plus la subissent sont à la base celles et ceux qui sont les plus riches parce qu'ils ont les moyens d'acheter un bateau pour passer enfin il y a toutes ces conditions là. Donc il faut remettre de la raison dans le débat, c'est un combat qui est difficile, il y a des arguments qui sont factuels mais il faut arriver à les porter dans le débat et la difficulté, je le redis, c'est qu'on a une chape de plomb médiatique qui organise un débat autour de la question de sécurité c'est de l'immigration, il y a une bataille culturelle à mener, on va continuer à la mener mais malgré tout, je crois qu'il y a une différence entre l'atmosphère de l'hémicycle et ce qu'on rencontre sur le terrain dans nos circonscriptions, moi je suis élu en cette année, personne n'est venu m'interpeller sur un marché, euh, euh, dans ma permanence ou à la sortie du RER, pour me dire, il euh, y a trop de migrants, on est venu me parler de remplir le frigo, du loyer, des logements, de l'éducation. Il y a une solidarité dans la société française. Elle continue à exister, et je pense qu'elle continue à être majoritaire, heureusement. Maintenant, cette bataille, il faudra continuer à la mener dans les mois et les années à venir, parce que des gens prospèrent sur la haine et le racisme. Alors parlons maintenant euh, de, de la gauche. Euh, tout à l'heure tu m'as dit que oui oui, euh, tu étais encore un député euh, LFI-NUPES, euh, donc ça veut dire que tu considères que la NUPES existe encore, même si beaucoup annoncent qu'elle voilà, est, elle, elle est, elle est morte et, et enterrée. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que c'est quoi le plan là en fait parce que là comme j'ai dit genre et comme d'ailleurs toi aussi tu l'as tu l'as dit le moment est particulièrement compliqué avec une lepenisation je reprends tes mots euh, de de du pouvoir euh, en place euh, de la du parti présidentiel euh, il va falloir que au bout d'un moment je euh, sais pas en fait, je me dis, en 1945, les gaullistes et surtout les communistes hein, ont réussi à se mettre ensemble pour pour faire la sécu. Tu vois, nous, j'imagine qu'à à gauche, dans un moment où là, il va falloir commencer à rentrer en résistance. D'ailleurs, c'est ce que font certains départements, notamment socialistes, un hein, 32 départements, ont annoncé qu'ils ne respecteraient pas la loi de immigration et qu'ils continueraient à donner des contributions sociales à, à tout le monde et aux étrangers y compris. Euh, et il va falloir qu'on rentre en résistance, et dans la résistance, franchement, on va pas pinailler entre « Ah bah toi t'es un, un peu trop rose, t'es un peu trop vert, t'es un peu trop social-démocrate, ou je sais pas quoi, tu vois. Il va falloir qu'on y, qu y aille tous ensemble, non ?» Je suis assez d'accord, et mmh. moi je me considère toujours comme un député français soumis à une puisque j'ai été élu parlementaire sur le programme de la Nupes ce qui a permis d'avoir un certain nombre de députés pour toutes les forces politiques de gauche, il faut être honnête et le reconnaître. Moi je souhaite qu'on fasse ce qu'on a fait sur le projet de loi immigration, moi, j'étais un des chefs de file euh, des Insoumis pour la loi immigration. J'ai travaillé main dans la main avec euh, Elsa Faucian, euh, qui était chef de file pour les communistes. J'ai travaillé avec euh, Benjamin Lucas, euh, qui était, et Cyril châtelain qui, sont, qui est venu aussi en commission, qui travaille sur la loi immigration pour les écolos. J'ai travaillé avec euh, Boris Valo, Hervé Solignac, qui était là pour les socialistes. Et on a déposé des amendements communs. On a eu la même position du début à la fin du texte et on a travaillé ensemble. Et je crois que l'histoire qu'on vit en ce moment, elle impose aussi à la responsabilité. Et c'est le sens. J'en ai parlé au début du courrier qu'a fait Manuel Bompard aux autres forces de gauche, où on dit, écoutez, il y a eu des choses qui se sont passées, qui n'ont pas plu aux uns et aux autres, et, et, y compris des choses qui nous ont profondément blessés à nous, militants et euh, élus insoumis, mais au regard de la situation, il faut qu'on se retrouve, qu'on discute et qu'on continue à avancer. Et très sincèrement, les divisions qu'il y a aujourd'hui à gauche, elles étaient beaucoup plus profondes avant les élections législatives qu'elles ne sont aujourd'hui. Euh, il ne faut pas se mentir. Donc moi, je souhaite... Que les, le Parti communiste, l'ELV euh, et le Parti socialiste répondent à ce courrier, qu'on puisse se retrouver. Et puis, ne soyons pas naïfs. Il y a aussi une échéance électorale qui arrive dans quelques semaines. C'est pas une échéance électorale à laquelle les Françaises et les Français participent de manière très large d'habitude. Est-ce qu'on a envie de se réveiller au soir des élections européennes avec Jordan Bardella euh, à 40 et euh, quatre listes de gauche entre 5 et 11 et je mets la fourchette volontairement très haute Ou est-ce qu'on est capable de dire que le programme qu'on portait euh, à la présidentielle et à la législative, après, il peut s'inscrire dans un cadre européen. Je crois qu'on partage tous et toutes les mêmes valeurs, très sincèrement. Quand on regarde nos prises de position, c'est toutes les mêmes. Donc moi, je souhaite encore qu'il y ait une liste unique aux élections européennes. Nous, on a mis une proposition sur la table. On a dit qu'on était prêt à ne pas conduire la liste pour avoir une liste de rassemblement, ce qui est quand même une proposition très large. D'ouverture, on est encore disponible. On va travailler dans les prochaines semaines, inspirons-nous de ce que font les jeunes insoumis, les jeunes écolos, les jeunes socialistes, les jeunes communistes, qui ont appelé à une liste unitaire aux élections européennes. Il n'y avait pas les je... jeunes communistes. Il y avait une partie, <laughs> euh, il y avait une partie des, des, des jeunes communistes, en tout cas de, 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 des gens qui ont été par le passé chez les jeunes communistes, mais en tout cas il y avait des jeunes de génération. Il y a une aspiration, je crois, dans le peuple à l'unité de la gauche. Et le moment nous impose d'avoir cette responsabilité. Et moi, je crois toujours que c'est possible très clairement parce qu'il suffit aussi de regarder. Euh, je regarde souvent les votes communs à l'Assemblée, les prises de position. Il euh, y a des moments euh, où on est quasiment tous d'accord. Évidemment, il y a des points de vue divergents sur certains sujets, mais personne n'a jamais caché nos différences. Mais je crois que ce qui nous rassemble est majoritaire et il faut qu'on avance là-dessus. Mais aujourd'hui, ça bloque. Euh, comment Qu'est-ce qui, d'après toi justement, bloque. Parce que pour, pour pouvoir avancer, il faut identifier les points de blocage. Et euh, alors, il y en a beaucoup qui se concentrent sur les tweets de Jean-Luc Mélenchon. Euh, J'espère que genre, la NUPES n'est pas morte juste à cause des tweets de Jean-Luc Mélenchon, sinon c'est vraiment catastrophique, tu vois, dans ce que, dans ce que ça dit de, de, de qui on est collectivement. Euh, mais du coup, toi, voilà, tu vois, voilà, qu'est-ce qui bloque je ne crois pas que ce sont les tweets de Jean-Luc Mélenchon qui, qui, bloquent, qui bloquent la NUPES. Au contraire, je pense qu'ils apportent beaucoup d'espoir au pays. Et je vous rappelle quand même que Jean-Luc Mélenchon a fait 8 millions de voix à l'élection présidentielle et que c'est quand même le dernier candidat de gauche radicale qui a fait plus de 20% à une élection. Donc il faut aussi mesurer ce que, ce que représente et ce qu'incarne Jean-Luc Mélenchon. Ce qui bloque, des, je crois que c'est des calculs d'appareil et, et tout le monde est bloqué, euh, en tout cas chez nos amis de la NUPES, sur euh, déjà 2027. Sur qui va être candidat à l'élection présidentielle euh, Comment on va faire en sorte d'avoir chacune et chacun notre candidat Et c'est ça qui est pas qui est pas C'est pas une petite question, hein, la question de la candidature en 2027. C'est pas une petite question, mais euh, faire croire que euh, il peut y avoir une candidature unique en 2027 alors qu'il y aurait des candidatures divisées aux élections européennes, euh, c'est raconter des histoires aux gens. En vérité, parce que les gens y réfléchissent. Et demain, on va aller voir les citoyens, disant on a été divisé européenne, mais finalement, on est d'accord à nouveau pour euh, aller aux élections présidentielles ensemble. Donc, ça peut marcher. Excuse-moi, c'est ce qui s'est passé en, en 2019. Pour le coup, les Insoumis voulaient une liste mmh. autonome. Et en 2022, vous avez dit euh, « Mettez-vous tous derrière nous ». C'est aussi euh, ce qui s'est <laughs> passé en 2022. Mais mmh. euh, on a fait une proposition en 2022 qui était celle de l'union populaire. On a tendu la main jusqu'au dernier moment. Et euh, ce qui a été fait en 2019 aux élections européennes sur une liste unique, aujourd'hui, on ne on recommet pas cette stratégie-là puisqu'on dit que l'urgence du moment, elle impose d'avoir une stratégie de rassemblement. Et je crois que... Dans nos prises de parole, euh, on exprime à chaque fois l'idée qu'il faut préserver la NUPES. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus que proposer une tête de liste aux Européennes, euh, notamment aux écologistes, euh, interpeller les autres organisations pour qu'on arrive à se réunir, organiser des mobilisations ensemble. Enfin, je veux dire, on a, on a pris beaucoup d'insultes de la part de partenaires euh, et, et des mots très durs, et pourtant, on continue à dire qu'il faut travailler ensemble. Et il euh, y a aussi une volonté parfois de nous exclure. Ce qui est dommage, quand on a un groupe parlementaire avec euh, autant de députés, avec un candidat à la présidentielle, je le redis, qui a fait 22%, avec une force qui est quand même centrale aujourd'hui à gauche, mais nous ne sommes pas non plus prêts à brader la question du programme de sa radicalité pour des calculs d'appareil. Et ce que attendre les gens, c'est un, évidemment, du rassemblement, mais ce qui les a fait voter aussi aux élections législatives, je crois, c'est le contenu du programme. Ça fait bien longtemps que les gens ne votent plus parce que des logos s'additionnent. Ça marchait peut-être il y a 40 ans, ça ne marche plus aujourd'hui. Les gens sont des gens politisés, ils regardent ce qu'on porte, ils ont vu que c'était un programme dans leur intérêt et de rupture avec ce qui se faisait depuis des années. C'est ça qui les a fait revenir aux urnes. Donc moi j'appelle nos partenaires à revenir à la raison, à discuter et à créer les conditions d'abord d'avoir une liste unique aux élections européennes. Je pense aussi que y a la, la, la puissance de la tentative de diabolisation euh, du pouvoir et d'une partie du champ médiatique. Ils veulent diaboliser euh, les filles. Ils le font euh, depuis plusieurs, euh, plusieurs années et, euh, et certaines personnes sont tentées de valider en fait euh, ce discours. C'est tellement puissant en fait la façon dont ils vous disent hein, à chaque fois vous êtes horrible, vous je sais pas quoi, vous êtes euh, les alliés des islamistes, vous êtes les alliés de tout ce qu'il y a de de pire en fait euh, sur la terre. En fait, qu'au bout d'un moment, bah, je ne sais pas, les socialistes, les écologistes, je ne dis pas qu'ils valident totalement euh, ce qui est raconté euh, par, euh, par la droite et l'extrême droite, mais en fait, au bout d'un moment, ils se disent, hmm, bah, peut-être qu'ils euh, puent, en fait, et peut-être qu'il faut, il faut les laisser de côté et on n'en veut pas, quoi. Je crois qu'ils se trompent profondément parce qu'effectivement, il y a, y a parfois, on a entendu ce genre de discours, euh, soyons mieux habillés et un peu plus sage, et je grossis un peu le trait, euh, pour être respectable, accepté par le système, et peut-être qu'on pourra gagner des choses. Euh, je donne un exemple moi, qui m'a marqué euh, récemment. Quand il y a eu euh, la, la discussion sur la loi immigration, euh, nous, on a fait euh, une explication de vote qui était euh, dans ce qu'on sait faire, c'est-à-dire euh, brutale, mais euh, radicale sur le fond, parce qu'on est aussi là pour porter la colère populaire. Et Boris Valo est intervenu après en disant la même chose que nous, d'une manière plus douce, où il a même dit, Madame la Première ministre, je vous le dis avec un peu plus de gentillesse, c'était pas ce mot, je ne me souviens plus. Et il a, il a eu la même réponse violente et méprisante d'Elisabeth Borne. Donc croire que parce qu'on va être habillé euh, avec des costards cravates, qu'on va être sage, qu'on va euh, respecter tout le monde et qu'on va euh, jamais avoir de, de paroles fortes et de casser euh, l'espace sur des sujets, penser que les gens qui sont en face de nous vont nous dérouler le tapis rouge parce qu'on est plus gentil et plus respectable, ça n'existe pas. Ça n'a jamais marché. Au contraire, si nous avons réussi à gagner l'élection euh, législative au premier tour, si on a réussi à faire un tel score à l'élection présidentielle, c'est parce que... On a, euh, oui, eu un rapport de force, et euh, certains n'aiment pas ce terme, mais oui, il y a une conflictualisation euh, du débat, mais parce que c'est aussi ce qui permet d'apporter euh, dans le débat des sujets. Euh, si euh, Jean-Luc Mélenchon n'avait pas dit la police tue, euh, aujourd'hui, quand vous faites des enquêtes d'opinion sur la question des violences policières, euh, on a gagné une bataille culturelle quand même là-dessus. Très sincèrement, moi j'ai porté une loi dans l'hémicycle il y a quelques jours pour euh, abroger ce qu'on appelle le, le permis de tuer des policiers, qui est l'article du code de sécurité intérieure que Bernard Cazeneuve a mis pour les refus d'obtempérer. On, on a fait un sondage pour savoir si les gens étaient favorables à ma loi ou pas. Moi j'étais très sceptique avant le sondage, pour être tout à fait honnête. Je crois qu'il y avait 65% des Françaises et des Français qui étaient favorables à l'abrogation euh, de ce permis de tuer. Donc c'est aussi ça, mettre des sujets dans le débat et créer un rapport de force et croire que les gens qui sont face à nous sont des gens qui sont prêts à négocier, qui sont prêts à avoir des accords. Qui sont là pour nous faire des concessions, c'est faux. Ces gens-là sont prêts à nous écraser et ils sont prêts à écraser le peuple avec. Donc il faut avoir une force de rupture, qui soit une force de résistance et c'est ce qu'on incarne, je crois, aujourd'hui. J'ai une, une dernière question, euh, Thomas. Euh, elle a trait à ce qui se passe en, en Palestine, euh, à la fois euh, à Gaza et en Cisjordanie. Euh, là, y a, je, je vois poindre le risque d'un d'un pourrissement de la de la situation enfin je veux dire les ça y est les, les je vois les chaînes de télé et les, et les radios qui commencent déjà à se désintéresser de ce qui se passe là-bas enfin pas autant en tout cas que que, que, que au début or euh, ben, les, les, les palestiniens continuent d'être bombardés et, et, et de mourir la situation n'offre absolument aucune euh, perspective de, 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 de justice euh, sociale ou enfin euh, de justice tout court euh, et de, de et de possibilité de paix mais avec la liberté pour pour le peuple palestinien comment et, et d'ailleurs et ni pour le peuple israélien non plus enfin hein, comment Enfin, Qu'est-ce qu'un député français euh, comme toi a à dire euh, de, de cette situation C'est d'abord beaucoup de tristesse parce qu'il y a des deux côtés euh, des dizaines de milliers de personnes qui sont déjà décédées depuis euh, le 7 octobre. Donc c'est déjà un, un sentiment euh, de tristesse qui nous envahit parce que chaque matin, effectivement, euh, on regarde l'actualité, même si c'est moins présent, on voit les images de bombardements, on voit des, 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 des mamans qui pleurent leurs enfants. enfin, euh, Les images sont... Euh, sont sidérantes et on ne s'habitue jamais, heureusement, euh, à ça. Qu'est-ce que peut faire un député euh, français Il n'a pas beaucoup de pouvoir sur cette question, mais il a une responsabilité, celle de continuer euh, à témoigner de ce qui se passe là-bas, celle de continuer à faire pression euh, sur le gouvernement israélien aujourd'hui, euh, qui euh, commet des crimes de guerre. Je veux dire, quand on bombarde indistinctement euh, des hôpitaux, des ambulances, des centres de réfugiés, euh, des journalistes, il y a plus de 80 journalistes qui ont été tués à Gaza depuis le début du conflit. Tu vas parler de la Cisjordanie, on a des colons israéliens euh, qui, euh, qui tuent des Palestiniens protégés par l'armée israélienne, y compris la ministre Colonna, qui est quand même pas la plus engagée sur ces sujets, a été obligée de se rendre en Cisjordanie ces derniers jours pour dire euh, là ça va pas, il y a un sujet. Même Joe Biden et les États-Unis, qui sont un soutien quand même de première heure d'Israël, ont dit euh, ce qui se passe en Cisjordanie, euh, ça commence à nous interroger. Donc notre rôle, c'est de continuer à dire qu'il ne faut pas faire comme si rien ne se passait, ne pas s'habituer à la normalité d'un conflit qui est malheureusement, je crois, parti pour durer parce qu'il n'y a pas de solution. J'attends le vote du Conseil de sécurité de l'ONU, ça devait être mardi, ça a été décalé à mercredi, ça sera peut-être aujourd'hui. J'espère qu'il y aura un cessez-le-feu immédiat parce que c'est la seule solution aujourd'hui pour que le peuple palestinien ne disparaisse pas parce qu'on est quand même sur des questions de disparition d'un peuple. Euh, quand je vois, euh, il y a quasiment 2 millions de personnes, 90% ont été déplacées depuis le début du conflit, 70% dans la, bande de Gaza. dans la bande de Gaza, 70% des infrastructures de Gaza sont inutilisables euh, ou détruites, et au-delà des milliers de morts euh, qu'il y a, euh, les, euh, les institutions humanitaires qui sont encore quelques-unes sur place, dans un travail très difficile, alertent sur la crise sanitaire de demain, sur le manque d'eau, le manque de nourriture, le manque de médicaments, on a des épidémies et des maladies, qui commencent à revenir qui n'étaient plus là à Gaza euh, avant euh, le début de la guerre et des dizaines de milliers de personnes vont mourir de ces maladies. Donc c'est atroce et je regrette très sincèrement que la voix d'Emmanuel Macron ne soit pas claire sur ce sujet. Il a fallu quasiment un mois et demi pour qu'il y ait le mot cesser le feu comme si c'était tabou. Et aujourd'hui Emmanuel Macron dit un jour oui, un jour non, un jour blanc, un jour noir. La France euh, dans le conflit israélo-palestinien a toujours eu une voix singulière, celle de la paix, celle du respect du droit international, celle de la reconnaissance des deux états. Et pourquoi Emmanuel Macron ne prendrait pas l'initiative dans les prochaines heures de reconnaître l'État palestinien Ça ne va pas tout régler, mais ça serait un signal fort pour dire vous pouvez compter sur la France pour assurer la survie de l'État palestinien et du peuple palestinien, parce que ce qui se passe sous nos yeux est dramatique et je crois que ça marquera durablement l'histoire du 21e siècle. Ce conflit est terrible, c'est un des plus violents que nous ayons connu depuis des décennies. Et encore une fois, c'est le peuple palestinien qui le, qui le paie dans sa chair et ça, c'est dramatique. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi, Pablo.